Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast NHL de The Free Agent. Et tout comme la NBA, en ce moment, c'est les playoffs en NHL. Et on va faire un petit point parce qu'on a déjà des premiers qualifiés pour les finales de division. Et on va faire un petit point sur les diverses séries qui sont encore en cours. Et pour parler de ça, avec moi, j'ai mes deux experts NHL, à savoir Jordan. Salut Jordan. Bonjour Charles, bonjour à tous. Et puis Samuel. Salut les gars. Bon, hier soir, première partie du verdict qui est tombé. Colorado, pas trop une surprise, et Boston qui se sont qualifiés chacun pour les finales de leur division. Alors Jordan, on peut faire un petit point sur ces deux premiers qualifiés. On va commencer par Colorado. Bon, c'était assez évident qu'ils allaient passer le premier tour. On pensait peut-être pas avec autant de facilité. Alors oui, c'était assez évident, effectivement. Ils étaient bien supérieurs à Saint-Louis et c'était probablement, je dirais, un des match-ups les plus inégales de ceux qui étaient proposés en termes de niveau et vu ce qui avait été démontré. Pendant la saison régulière. Maintenant, mettre des 4-0 en NHL, c'est jamais facile. Là, en plus, ils l'ont fait avec la manière parce qu'ils ont pulvérisé Saint-Louis, mais à chaque match, il n'y a vraiment pas eu de débat. Ça n'a pas été des matchs serrés. Il n'y a même pas eu d'overtime ni rien. Ils ont toujours gagné, en regular time. Ouais. Et avec des avances qui sont plus ou moins conséquentes, ils ont marqué 20 buts donc dans les 4 matchs, ce qui fait une moyenne de 5 buts par match. Ça a été assez rapide et c'est pas très surprenant effectivement parce que Colorado est sans doute la meilleure équipe de la ligue à l'issue de la saison régulière. Maintenant, on peut le voir par exemple entre Carolina et les Predators, parfois, même quand il y a des gros écarts de niveau en série, ça ne veut pas forcément dire que le chemin sera facile. Mais là, pour le coup, non, ils ont fait le job. Et puis voilà, c'est pas une grande surprise de les retrouver là. C'est peut-être un peu plus une surprise de les retrouver avec une telle efficacité. Une telle efficacité et si rapidement, en seulement 4 matchs, pour leur finale de division. Ouais, parce que Samuel, moi, ce qui m'a frappé sur Colorado, c'est que en fait, ça venait de partout. Ça vient de la défense avec Makar, ça vient de McKinnon, bien entendu. Mais on a l'impression qu'ils sont, alors ils ont surnagé ce premier tour. Est-ce que c'est pas ça peut aller en leur défaveur pour la finale qui se profile a priori face à Vegas. On en reparlera après, mais. Est-ce que ça va pas, ça peut leur poser problème? Moi, je pense que Colorado, ils sont concentrés à 100%. Ils avaient un peu déçu en début de saison, puis ils s'étaient repris. Mais là, on voit vraiment le vrai niveau de cette équipe, surtout offensivement. C'est assez impressionnant contre une équipe des Blues qui a bataillé jusqu'à la fin pour accrocher les playoffs. Colorado, c'est vraiment l'équipe complète. Ils ont un roster pour aller chercher la coupe cette année et je pense qu'ils sont vraiment très concentrés. Ils ont fait le job. Ils ressortent avec pas aucun blessé quasiment. Et ça va être très compliqué pour Vegas qui a dû quand même, enfin qui bataille quand même toujours contre Minnesota. Donc à mon avis, Colorado va même passer le deuxième tour. Le deuxième qualifié hier soir, c'est Boston. Là aussi, ça a été au final plutôt rapide, même si en début de série, on s'attendait à ce que ça aille loin et pendant longtemps. Jordan, les Bruins sont montés en puissance. Alors, oui,
Effectivement, de toute façon, on a un peu l'habitude avec Boston maintenant au fil des ans. C'est toujours une équipe qui se révèle en série et qui arrive, en tout cas, je dirais, à prendre la mesure de l'événement. Il y a eu beaucoup d'overtime dans cette série, puisque sur les 5 matchs joués, il y en a 3 qui se sont finis en prolongation. Donc 2 remportés par Boston et donc, du coup, le premier match de la série qui a été lui remporté par Washington, mais qui s'est aussi fini en overtime. C'est vrai que c'est un peu différent, je dirais, de la qualification de Colorado, parce que celle de Colorado était bien plus marquée. Mais effectivement, Boston a su tout simplement, je dirais, prendre les devants lorsqu'il le fallait. Et sur les 2 derniers matchs, donc comment dire, le quatrième et le cinquième, là pour le coup, il y avait vraiment plus de. Enfin, en tout cas, plus de Oui. suspense. L'équipe était bien. Enfin, Boston était bien supérieure à Washington. Et c'est un peu surprenant pour du côté de Washington qui avait l'air vraiment résigné. J'ai du mal à l'expliquer, mais même hier, alors qu'ils jouaient leur survie, on avait l'impression qu'ils avaient, je sais pas, qu'ils avaient envie de partir en vacances, ou qu'il y avait quelque chose qui marchait plus, qu'ils avaient plus l'énergie, plus le jus, etc. Et en plus, après, c'est un autre point, et notamment, alors hier, en plus de ça, ils ont subi peu de tirs, pourtant les Capitals, mais Samsonov a vraiment pas été au niveau. Et ça a été aussi un autre problème. C'était quelque chose qu'on avait pointé en début de saison, le fait que ils avaient fait venir Lundqvist, qui n'a pas pu jouer, qu'ils avaient des gardiens jeunes, pas forcément expérimentés. On l'a, enfin comment dire, ça leur a, voilà quoi, ça leur a fait perdre des matchs, notamment un qui s'est fini en, non qui s'est fini, ouais, non, le match 2, je crois, qui s'est fini en overtime, où effectivement Samsonov fait une grosse boulette et du coup perd le match, ou alors c'était le match 3, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, ouais, ils ont un petit peu payé, je dirais, ce manque d'expérience. Et puis on a vu Ovechkin être pas mal agacé par son équipe. Moi, je trouve ça, personnellement, assez cocasse, parce que quand tu prends 10 millions par an, et que tu es le meilleur buteur en activité de la ligue, on attend peut-être un peu plus que, comment dire, que ce qu'il a fourni ici. Et Jordan. Pardon, Samuel. Ouais, c'est ça. Enfin, même s'il y avait un manque d'expérience du côté de Washington dans les buts, bon, Samsonov, évidemment, bon, il a fait ce qu'il a pu, parce qu'il a quand même, il y a eu des parties où il était quand même pas mal, où il arrivait à freiner un peu cette équipe de Boston. Mais c'est même les stars de Washington qui n'ont pas fait le job. Quand on voit. Bon, ok, Ovechkin à 4 points, c'est pas mal, mais bon, pour un joueur de son niveau, c'est pas assez. Kuznetsov, pas un point sur les 5 matchs, pardon. Il en a joué que 3, mais il a récolté 0 point. Pareil, Backstrom, il a qu'une seule mention d'aide, aucun but. Et puis Carlson, 2 points. Donc, les stars n'ont pas répondu à l'appel, et ça coûte clairement la série. C'est les joueurs comme ça, comme Ovechkin, Kuznetsov, c'est des gros noms et ils doivent pouvoir faire la différence pour leur équipe en playoff. Ils n'ont pas été capables de le faire sur cette série et là ils sont en vacances. C'est dommage pour eux, mais vu l'implication sur les différents matchs, Boston méritait largement de gagner. Ouais, il va y avoir un petit peu de changement à mon avis durant l'intersaison parce qu'on parle d'Ovechkin, il est agent libre à la fin de l'année. Enfin là, du coup maintenant il est agent libre. Est-ce que vous pensez que c'était la dernière fois qu'on voyait Ovechkin sous le maillot de Washington? Bonne question. J'ai du mal à y croire. En tout cas, lui, en début de saison, avait émis le souhait de soit rester à Washington, soit repartir jouer en Russie. Non, je pense pas. En plus, là, il est assez proche du record il va commencer à se rapprocher dangereusement du record de Gretzky. Donc en nombre de buts marqués. Du coup, je le vois mal quitter la ligue avant d'avoir atteint le record. Dans ce cas-là, je le vois mal quitter une équipe, enfin quitter Washington, parce que
mine de rien, il est déjà âgé. Je vois pas quelle équipe, je dirais, compétitive va pouvoir s'offrir son salaire, vu les problèmes de cap space, etc. À moins qu'effectivement, il y ait un petit côté, enfin, je dirais, une arrivée surprise comme le Kraken ou quelque chose comme ça, qui veulent tenter l'opportunité, mais moi, je suis pas sûr. Non, je le vois vraiment rester à Washington et tenter d'aller chercher soit éventuellement un nouveau titre ou au moins en tout cas le record de buts de Gretzky. Samuel, tu partages cet avis? Ouais, pareil. Peut-être que le Kraken va tenter de faire un gros coup parce que ce serait énorme en Ah, mais termes ce serait énorme. marketing qu'une nouvelle franchise signe Ovechkin, mais non, je pense qu'il va rester peut-être, allez, disons, entre une et trois saisons encore à Washington et repartir un peu en Russie pour finir tranquille sa carrière avec un beau petit pécule. Un beau petit pécule, et je suis pas sûr que ce soit très judicieux de retenter un nouveau défi maintenant ou aller chercher quelque chose avec une autre franchise. Enfin, je vois vraiment pas avec qui il pourrait avec quelle équipe pourrait fit, quoi. Très bien, ben l'intersaison nous dira tout ça. On va passer aux séries qui restent et si je ne me trompe pas, elles jouent toutes. Oui, elles jouent toutes ce soir. On va commencer entre ben, le premier match entre les Islanders et les Penguins. Donc la série est à 2-2, c'est le match 5. La série semble assez indécise. Samuel, est-ce qu'on part vers un match 7, très clairement, sur cette série? Ouais, comme on le disait au dernier podcast, ça semble clairement une série faite pour un match 7. C'est super indécis. Comme tu l'as dit, il y a eu un seul match le dernier où New York a gagné de plus de 3 points. Sinon, c'est toujours en overtime ou une victoire d'une toute petite marge, donc juste d'un seul but. Là, il reste 3 matchs encore pour aller en match 7. Mais à mon avis, ça va faire le ping-pong jusqu'à la fin. Je ne sais pas vraiment qui c'est qui va gagner. Je mettrai quand même une petite pièce sur Pittsburgh à l'expérience. Mais non, le match 7, c'est la série où c'est le plus probable de voir un match 7 arriver. Ouais. Ouais, les Penguins auront en plus le dernier match à domicile, donc effectivement, ça leur conférera un avantage plutôt conséquent. Jordan, toi, tu es dans le même mood par rapport à cette série? Ouais, c'est très équilibré. J'ai du mal à voir une équipe effectivement prendre le dessus sur l'autre. Alors bon, mis à part les Islanders lors du dernier match, qui ont un petit peu outplay les Penguins, mais dans l'ensemble, c'est très très équilibré. Effectivement, je pense qu'on devrait voir. Enfin, il y a quand même de grandes chances qu'on voit un match 7. Mais en revanche, je vais mettre une petite pièce sur les Islanders. Que je trouve en tout cas plus intéressant et peut-être plus mieux préparé que les Pings. Ça ferait une finale Boston-New York. Je pense que ce n'était pas forcément celle à laquelle on s'attendait au début de ces playoffs. Mais Ouais, mais même pourquoi pas? Pittsburgh-Boston, tu t'y attendais pas non plus. Non, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que Boston passe ce tour. Autre série qui en est là seulement au match 3. Et là, Jordan, je vais te laisser en parler. Le derby, quasiment, entre Toronto et Montréal. La série est aussi à égalité un partout. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette série et sur Toronto qui normalement est pas grandissime favori, mais pas loin quand même, et qui se retrouve bah, à égalité au bout de deux matchs et à se déplacer à Montréal en position d'égalité? Oui, alors effectivement, c'est vrai que la série a très mal démarré pour les Leafs, bah non seulement parce qu'au bout de quelques minutes de jeu, ils ont perdu leur capitaine sur blessure, donc John Tavares. Montréal a commencé directement par. Enfin, c'était prévisible parce que c'est leur jeu et parce qu'ils ont fait ça contre les Maple Leafs
pendant toute la saison régulière. Mais en tout cas, permettre beaucoup d'intensité physique avec des résultats du coup pas toujours heureux, comme on a pu le voir avec Tavares, même si c'était pour le coup purement accidentel. Hein, y a pas de, Oui, bien sûr. enfin, Mais c'était y super a, impressionnant. c'était Si très vous n'avez pas impressionnant, vu, si vous mais n'avez pas vu purement la vidéo. accidentel. Et du coup, on a vu une équipe de Toronto extrêmement déstabilisée. D'ailleurs, comment dire, prendre un but quelques minutes après la blessure. Alors, ils sont parvenus à revenir au score. Et encore une fois, je dirais, Toronto a repris un but en infériorité numérique. Enfin, c'est-à-dire que alors qu'eux étaient en avantage numérique plutôt. Ce qui commence à devenir un running gag pas très drôle pour les fans, et qui là surtout a coûté un match en playoff. Le deuxième match qui avait donc lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche, à lui pour le coup était beaucoup plus à sens unique, principalement aussi parce que comment dire, Montréal, en imposant toujours cette rigueur physique, a commis pas mal de fautes. Je crois qu'ils ont eu la bagatelle à un moment donné de quasiment 6 pénalités consécutives ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas non plus étonnant quand tu veux jouer au dur et quand tu veux mettre des coups, et ben nécessairement Oui, ça tu te fais marche un pénaliser. match. Bah Très oui. souvent, ça marche un match. Le match d'après, les arbitres te ratent moins. Là, nécessairement, comme étant trop de fautes, même si le power play des Leafs n'était pas non plus, je dirais, hyper opérationnel, ils en ont quand même mis quelques-uns. La finalité, c'est que ça fait un match 4-1, et puis après un cinquième but mis en filet désert. Pour l'instant, effectivement, la série est à égalité. Maintenant, sur les deux matchs, je vais être un peu désagréable avec les supporters du Canadien, mais mis à part mettre des coups de genou dans la tête de John Tavares, l'équipe n'a pas fait grand-chose, quoi. Ouais, les Leafs Je dis. ont passé un peu le coup de perdre Tavares et se sont remis en route pour la suite. Voilà, c'est ça. Offensivement, ouais, les Habs n'ont pas été très impressionnants, en tout cas bien moins que les Maple Leafs. Alors, à voir comment ça va se passer maintenant que ça va jouer, à, comment dire, À Montréal. à Montréal. Mais non, je vois bien quand même les maps, enfin Toronto arriver à prendre ne serait-ce à prendre les deux matchs et du coup revenir à la maison pour se qualifier et au final finir à 4-1 en 5 matchs. Samuel, toi, ton regard, on va dire un peu plus extérieur sur les livres. Ouais, je pense que même s'ils partent clairement favoris, qu'ils ont la meilleure équipe, qu'ils jouent mieux, etc., il va falloir que Toronto fasse vraiment attention à cette équipe de Montréal parce que, bon, en saison régulière, on a vu qu'ils prenaient beaucoup de pénalités, mais que sur les matchs où ils en prenaient moins, où ils arrivaient un peu à se contrôler, ils étaient vite très dangereux par leur agressivité. Donc, je pense que ils peuvent peut-être revenir à 2-2, créer un peu le doute dans la tête de Toronto. On verra comment ils gèrent la série chez eux. Ils vont peut-être avoir un petit avantage. Ils vont sûrement avoir un avantage psychologique. Et on verra comment ça se joue. Mais après, c'est sûr que si Toronto se sert des faiblesses de Montréal comme ils l'ont fait au dernier match, ils partent clairement favoris et ça sera sûrement un bon gentleman sweep à 4-1 et focus pour la finale de division. Très bien. Troisième série ce soir qui là on va entamer les matchs qui pourraient mettre un terme aux séries. Et on va commencer par le Lightning qui se déplace en Floride. Donc le Lightning mène 3-1. Les Panthers avaient bien démarré. On en parlait justement, Jordan était assez content justement du bon début des Panthers. Et puis là, sur le dernier match, ils se sont complètement effondrés, Jordan. Oui, effectivement, c'est pareil. Les Panthers imposent aussi un jeu physique, ils font des fautes et malheureusement, ils trouvent pas de réponse au power play du Lightning, qui est, c'est vrai, l'un des plus redoutables de la ligue.
D'office, comment dire, bah, malheureusement, ils n'ont pas réussi à gagner, des, comment dire, enfin, des matchs qu'ils auraient pu prendre. Et donc là, du coup, ils se retrouvent à 3-1. Moi, très franchement, je vois pas, comment dire, je vois pas les Panthers aller gagner ce soir. Donc je crains que. Que ce soit la fin ce soir de la série. Ouais, que ce soit la fin ce soir. C'est vraiment. Enfin, c'est assez triste, je trouve, pour cette équipe, quand même, qui méritait mieux que de prendre un 4-1. Après, pour le coup, ils sont tombés bah, contre le Lightning. Et donc bah, forcément, rien n'est facile. Alors, bon, ils jouent à domicile, donc peut-être que je peux me tromper, mais ils n'arrivent pas à trouver de réponse face au power play. On voit que leur seule victoire, ils l'ont obtenue, je dirais, à l'arrache, dans un match qui était complètement fou, hein. Mais parfois, ils peuvent complètement laisser des tiers entiers au Lightning et se faire détruire en prenant 3, 4, 5, 5 buts parfois. Donc ça va être très compliqué pour eux. Et non, et je vois bien une fin. Et je vois bien une fin ce soir. Samuel, toi aussi? Une fin ce soir, je ne suis pas sûr, parce que Florida a quand même montré de belles qualités tout au cours de la saison, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de jouer Tampa version année 2020, parce que ben, là, ils sont de retour au complet avec Kucherov, Stamkos. Et franchement, pour les équipes de la NHL, ça doit vraiment faire peur, une équipe comme ça. Quand tu joues contre eux, tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. Tu fais une petite faute, un fer trébuché, etc. Et c'est terminé. Leur powerplay, comme a dit Jordan, hein, c'est vraiment le gros point fort de cette équipe. C'est très, très dur de les arrêter. Enfin, il faut être de partout, en fait. Non, je pense que Tampa va. Je ne sais pas s'ils vont finir ce soir, mais j'attends peut-être un petit succès, excès d'orgueil de Florida, qui viendrait chercher le match, un peu un match fou, comme on a vu, les 6-5, les 5-4, et qui pourrait aller chercher un match au 6. Mais à mon avis, ça ira pas au-dessus. Tampa est beaucoup trop fort, comme l'année passée. Et même pour les autres équipes de la ligue, je vois pas vraiment qui pourrait les arrêter. Très bien, très bien, très bien. On va rester avec toi, Samuel, parce que bah là, on va parler de la vraie surprise de ce début de playoff. Avec les Jets de Winnipeg qui sont en train de, bah, de juste marcher sur Edmonton et sur Draisaitl et McDavid. Ils mènent 3-0 ce soir à domicile. Ils peuvent sweeper Edmonton. C'était juste inespéré, c'était pas possible. Ah bah, pour être honnête, on en avait parlé, mais j'y croyais pas du tout. Alors je suis quand même bien fan de Winnipeg, j'y croyais pas vraiment. La défense semblait beaucoup trop faible pour affronter la puissance offensive imposée par McDavid et Draisaitl. Et miracle ou surprise, je sais pas trop. C'est encore des super matchs tirés par le coach Paul Maurice, mais ils sont arrivés à réduire McDavid. McDavid, en 3 matchs, n'a toujours pas marqué. Bon, hier, il a distribué 3 passes décisives, mais les Jets sont arrivés à rester à 5-4 grâce à 3 buts en toute fin de match, et encore un doublé de Nikolaj Ehlers, qui faisait son premier match de playoff. C'est vraiment la grosse surprise. Mais après, Edmonton, je pense qu'ils ont beaucoup de tort dans ce résultat, parce que c'est peut-être pas une équipe faite pour les playoffs. Par exemple, à l'inverse, une équipe comme les Islanders, qui se base autour du collectif et pas autour de un ou deux joueurs, Tout à fait. sont beaucoup plus aptes à jouer les playoffs. Et là, peut-être que c'est pas le cas. Bon, McDavid est vraiment pas incroyable pour l'instant. Draisaitl a marqué 2 buts hier et était très opportuniste.
Mais voilà, contre un groupe comme Winnipeg qui est assez solide et qui se base sur les mêmes joueurs depuis quelques années, c'est compliqué. C'était la grosse surprise. LA Buck, le gardien des Jets, a vraiment été énorme sur les deux premiers matchs. Il a encaissé qu'un but sur les deux premiers matchs. Il a encaissé quatre buts hier. Mais... Il a Oui, ça fait encaissé une quatre buts moyenne hier. honorable au final. Donc oui, c'est plutôt bien de 5 buts en 3 matchs contre McDavid-Drysdale, c'est plutôt bien. Mais c'est assez impressionnant ce que fait cette équipe, même offensivement. Et puis ils sont arrivés à composer sur les deux premiers matchs avec des joueurs comme Tony Tato, par exemple, qui avait quasiment pas joué de la saison. Donc grosse surprise côté Winnipeg. Et si ça sweep... Je pense que les fans des Oilers vont vouloir un bon renouveau, peut-être un départ de McDavid, je sais pas, mais non, ça va être ça, l'été sera chaud pour les Jets, pour les Oilers s'ils Oilers. sont sweepés ce soir. Ouais, non, ça c'est une certitude. Jordan, toi, ton avis sur cette série rapidement? Alors c'est surprenant parce qu'effectivement, outre, je dirais le fait qu'ils soient aux portes de l'élimination, c'est surtout que ça arrive, je dirais, si tôt. Maintenant, Edmonton nous avait déjà fait le coup l'an dernier en perdant dès le premier tour face aux Blackhawks. Donc bon, non, c'est vrai que c'est assez étrange. Je pense que si jamais on arrive, hein, que ce soit qu'il y ait 4-0 ou 4-1 dans Ça la change série. pas. Ouais. Ça change pas grand-chose. Je pense que ça va imposer beaucoup de changements au niveau de tout simplement de l'équipe d'Edmonton. Alors je sais qu'il a signé un contrat assez long, etc. Mais ça va peut-être aussi un petit peu assombrir le futur de Connor McDavid et son envie de rester à Edmonton. Mais moi, surtout, ce que j'ai envie de retenir cette série, c'est l'excellent travail. Fait par le staff de Winnipeg depuis le retour des Jets à Winnipeg. Comment dire, les Thrashers étaient une équipe plutôt médiocre de la ligue qui avait atteint les séries une seule fois en 10 ans. Leur propriétaire avait plein de problèmes de déboires judiciaires, etc. Mais quoi qu'il en soit, et donc en effet, depuis que l'équipe est revenue à Winnipeg, on a vu qu'il y a du très bon travail. Ça doit faire leur 4e ou 5e année consécutive en playoff. Là, ils vont réussir à passer un tour. Et on sent que les choix qui sont faits sont les bons. Même quand il y a un problème avec Patrick Laine en début, ils font venir Pierre-Luc Dubois, qui est plutôt décisif et intéressant. Ils arrivent à développer des joueurs comme Ehlers, qui là du coup est revenu et pareil directement décisif. Ils ont un bon gardien. Et en fait, peu importe, je dirais, les problématiques, en tout cas, le staff arrive toujours à retrouver une solution et au final à faire progresser cette équipe. Et donc, je dirais, alors bon, en tout cas, on leur souhaite de ne pas leur porter malchance et qu'effectivement ils se qualifient bien in fine. Hein, mais bon. Mais en tout cas, cette franchise arrive toujours à progresser et je dirais à sortir grandie des adversités qu'elle traverse depuis 10 ans. Et ça, pour le coup, c'est remarquable parce que c'est pas toujours le cas. Absolument. Donc, on est content pour Samuel que l'aventure en playoff puisse sans doute, a priori, devrait continuer au moins un tour de plus. Dernière série entre le Wild et les Golden Knights. Les Golden Knights mènent 3-1 dans la série. C'est le match 5 ce soir à 4h30 du matin. Le Wild avait bien débuté et puis Vegas a repris, s'est remis en route et est en train de montrer qu'ils sont prêts à aller affronter Colorado. Jordan? Alors, oui, effectivement, le Wild avait bien démarré avec une stratégie, en tout cas, enfin, défensive, qui avait fait ses preuves. Maintenant, c'est ce qu'on disait lors du dernier podcast, c'est elle est difficile à maintenir sur cette match. Bon, on a vu, c'est effectivement difficile à maintenir. Là, hier, ils ont encore pris 4-0.
Je pense qu'il y a un vrai écart de niveau entre ces deux formations. Le premier match, Vegas s'est fait un peu surprendre et a eu du mal à marquer. Maintenant, ça a l'air un petit peu de s'être débloqué. Alors, j'ai bien envie de voir si comment dire, le Wild, en plus à Vegas, Un exploit, parce que là va pour le coup, je pense réussir que un c'est ça. exploit. Mais j'y crois pas trop. Et du coup, on devrait assister à une victoire de Vegas, une finale de division qui était plus ou moins prévue face à Colorado. Et donc là, malheureusement pour Minnesota, la saison devrait quand même se terminer ce soir, globalement. Samuel? Ouais, non, pareil que Jordan, je pense que ce soir, Minnesota est en vacances. Je ne les vois vraiment pas taper cette grosse équipe de Vegas qui est montée en puissance tout au long de la saison. Et à mon avis, ils sont vraiment déterminés à aller chercher Colorado. Il va falloir qu'ils s'emmagasinent pas trop de fatigue, parce que Colorado a joué, uniquement 4 matchs, plutôt facile. Donc, je pense qu'ils vont essayer de faire le maximum pour terminer la série ce soir et aborder sereinement la série contre Colorado. Parce que s'ils perdent ce soir, ils vont encore devoir aller à Minnesota. Et qui sait ce qui peut se passer? Peut-être aller chercher un match 7. Et si arriver après un match 7 face à Colorado, qui s'est opposé toute une semaine ou 4-5 jours, ça suffira pas. Donc, à mon avis, ils vont être obligés de terminer ce soir et de se concentrer sur cette finale de division. Et dernière série à passer avec vous, les gars, c'est celle entre Nashville et Carolina, qui bah, là aussi s'avère être un petit peu plus serrée que ce qu'on pouvait imaginer après un très bon départ de Carolina. Il joue demain soir, il joue dans la nuit de mardi à mercredi. Est-ce que Samuel, les Preds peuvent créer la surprise et aller sortir Carolina? Oh, c'est sûr qu'ils peuvent les inquiéter. Après, sur cette match, ça me paraît quand même assez compliqué pour Nashville. Mais même sur le tout premier match, Carolina a fait quand même pas mal d'erreurs de concentration défensive qui ont été compensées par leurs gardiens. Mais on a l'impression qu'il y a un peu de fraîcheur, trop de fraîcheur du côté de Carolina comparé à Nashville qui a un effectif quand même qui a un peu plus d'expérience. Donc, ça jouera peut-être sur le sort des matchs de Nashville à domicile. Mais non, je les vois quand même pas aller chercher la série. Je pense que Carolina va rester solide avec ses fans à domicile. Et à mon avis, ça sera pas assez pour Nashville pour aller chercher une qualification contre Tampa ou contre Floride. Et toi, Jordan? Oui, non, je pense qu'effectivement, Carolina a vécu deux contretemps et principalement bloqué par le gardien des Predators, donc Saros, qui a, je crois, arrêté 100 tirs en 2 matchs, si je ne me trompe pas. Exactement. Une vraie Non, peut-être muraille. même 110, en fait, je ne sais plus si c'est 58 et 42, je crois, ou 50, bref, ou 52. Enfin, peu importe, ils sont là. Même si au final, les Predators ont réussi à chaque fois à prendre la win enfin, la victoire en prolongation, un peu, je dirais, un peu de manière inespérée, et principalement due à comment dire, à leur gardien de but. Je vois mal le Nashville continuer comme ça à subir quasiment 50 ou 60 tirs, ou 60 tirs par match. Et à s'en sortir, je dirais, en allant gagner un peu de manière inespérée à chaque fois en prolongation. Malheureusement pour Nashville, en tout cas, l'écart de niveau, même s'il n'est pas, entre guillemets, vu au niveau de la fin du score de la série, il se voit assez bien sur la glace. Et, euh,
Et donc là, à Nashville, ils ont réussi à s'en sortir. Ils rejouent à Carolina ce soir. Bon, ça s'annonce quand même très compliqué pour eux. Très bien. Eh bien, merci, merci les gars. On a fait le tour des différentes séries qui restent encore à jouer. Merci Samuel, merci Jordan pour tous les éclaircissements. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast spécial playoff de la NHL. À très vite.